Michael, bonsoir tout le monde et bienvenue sur Blabla Linux pour une nouvelle vidéo. Alors, transfert gigabit. Waouh, c'est génial. Hein. C'est génial et pourtant, certains me disent, c'est bizarre, je suis équipé en gigabit et je n'atteins pas du tout des vitesses gigabit. Sachez que c'est bien d'être équipé en gigabit. Mais il faut être équipé en gigabit du début à la fin. Il faut un routeur gigabit. Il faut, s'il y a des switches dans le réseau, il faut que les switches soient gigabit. Il faut que les cartes Ethernet des PC, laptop, desktop, soient gigabit. Ensuite, il ne faut pas lésiner sur les câbles RJ utilisés. Il faut que ces câbles puissent supporter du transfert gigabit. Il faut du câble de catégorie 5 ou 5E, les fameux nomenclatures 4, 4.5, 4.5E. Voilà. Ensuite, attendez, ce n'est pas tout. Le protocole de transfert utilisé. Est-ce que vous allez utiliser un transfert, enfin des transferts via Samba, SMB, via NFS, via SFTP? Et attention, même si vous utilisez tout ce que je viens d'énumérer et de citer, ce n'est pas pour autant que vous allez atteindre des vitesses de transfert gigabit. Quelque chose auquel on ne pense jamais, ce sont les périphériques de stockage sur lesquels les données vont être lues et écrites. Machine 1, vous prenez une image ISO, vous la copiez et vous la collez sur la machine 2. Sur la machine 1, l'image ISO va être lue sur le disque pour ensuite être envoyée vers la machine 2 et sur la machine 2, l'image ISO va être écrite sur le disque. Il faut donc que les périphériques de stockage puissent lire et écrire en minimum 100 mégasecondes pour atteindre des vitesses gigabit sur le réseau. Et une fois que tout est réuni, eh bien, on peut réellement obtenir des vitesses gigabit. Je vais prendre donc sur mon système hôte une série d'images ISO. 1, 2, 3, 4, 5, 6 images ISO. Clic droit, propriétés, 6 images ISO. Donc 6 éléments pour un poids total de 19 gigas. C'est déjà pas mal. Je vais copier, je vais me rendre sur cette machine qui est connectée, mais peu importe, hein, sauf la première. C'est une machine Windows, toutes les autres ce sont des machines Linux, donc machine Windows SMB, toutes les autres machines, tous les autres postes Linux utilisent donc le protocole SFTP pour le transfert de fichiers. Donc je vais utiliser celle-ci. Je vais aller dans ISO. Ah bon, il y avait déjà une image, c'est pas grave. Je supprime et je vais coller. Ici, les ressources système du système hôte. Ici, les ressources système de la machine qui accueille les fichiers. Donc, la machine qui envoie et la machine qui reçoit. Et pour toutes les deux, on peut voir les ressources réseau et les ressources disque. Donc, réseau, disque, réseau, disque. OK, c'est parti et vous allez voir que on atteint de belle vitesse.
Je pense que les chiffres parlent d'eux-mêmes. J'espère que cette courte vidéo vous aura plu. Moi, je vous dis bye bye et à une prochaine. C'était Annie pour Blabla Linux. Ciao, ciao.